Et salut tout le monde! Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la suite de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Et donc, hier, on a eu un petit souci de panne de courant. Donc, je n'avais pas pu continuer le let's play. Donc, du coup, maintenant, voilà, je vais faire le duel que j'aurais déjà fait hier. Donc, comme d'habitude, je fais avec héros masqué. Voilà. Donc, on va donc continuer. Je vais pas faire une vidéo plus longue. Parce que bon, voilà, il y a quand même quelques vidéos qui sont déjà plus longues que ce qui était prévu. Bon, voilà quoi, on va voir combien de temps ça fait. Je suis quand même pas ça prêt, hein, voilà. Donc, on fait bien de ne pas commencer hein, quand je vois ça. Bon, on a quand même héros vivants et renfort de l'armée. Donc, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Ça va. Et si je pioche un monstre, ça aurait été encore mieux, mais bon. Allez, héros vivant. Donc évidemment, je vais invoquer spécialement Brume de l'Ombre. Donc je vais activer l'effet pour aller chercher Herman. Changement de masque, j'étais déjà à la phase suivante. Je vais faire renfort de l'armée. Et aller chercher Herman cette fois. Est-ce que je me risque à taper ou pas? Ça, je vais la poser pour pouvoir l'activer au tour suivant et aller chercher Bubbleman. Je me risque. Aïe. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais une phase 2. Une phase, donc là, on va faire un petit, comment il s'appelle encore? Loi des ténèbres. Donc, hop, je vais le mettre là. Je vais avoir l'effet de brume de l'ombre pour aller chercher Bubbleman. Vu que j'ai déjà toutes mes cartes polymérisation et tout ça. Ce serait bien qu'elle pose des magies pièges. Enfin, si elle veut pas, c'est pas grave, j'irai chercher autre chose. Ah, intéressant, deux Bubbleman. Ce que je vais faire, du coup, je vais quand même faire la polymérisation. Pas de chaîne. Je vais faire zéro absolu en utilisant donc mes deux Bubbleman. Comme ça, voilà, j'aurai ça. Donc non. Ce que je pourrais quand même faire, c'est le changement de forme. Comme ça, je vire ces deux monstres-là. Cette fois, ça devrait fonctionner. Et je vais mettre... Je crois que je vais mettre Diane. J'avais peut-être été trop vite la dernière fois. Ben non. Je comprends pas. Normalement, ça c'est le combo qui fait que... Si cette carte quitte le terrain, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Je comprends pas. Je comprends pas. Il n'est pas dit qu'il doit être envoyé au cimetière, non. Bon, je vais rechercher un héros du coup. Je vais prendre Blazeman. Putain, c'est chiant que ça fonctionne pas. Allez, je vais faire sur lui. 1006, ok. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas l'effet de Diane vu que j'ai Loi des ténèbres. Bon, je vais quand même dégager son terrain, mais c'est chiant quoi. Je devais faire beaucoup plus de dégâts que ça.
Mais je vais toujours l'invoquer. Je vais évidemment aller chercher polymérisation. Et on va en finir. Avec tout ça, il ne peut pas faire grand-chose. Je vais directement taper avec Diane, comme ça, bah, je suis sûre. Alors, le jeu final d'Amnael. Mais c'est chiant que zéro absolu, là, ça ne... Enfin, je crois que c'est zéro absolu, que ça ne fonctionne pas. Quand je fais le changement là, que je le transforme. Ça, c'est un combo vraiment de base en plus. Bon, on va commencer. Ah, tatatata, j'allais faire une connerie. On a héros vivant. Donc, j'invoque spécialement Brume de l'Ombre. Oui. Je vais aller chercher le changement de masque. Je vais juste poser ça. Et on va finir là le tour. J'aurais pu faire plus, mais bon. Plus, c'est pas toujours bon non plus. Donc, changement de masque sur Brume de l'Ombre. Je fais Loi des Ténèbres. Et je vais aller tuto Bubbleman. Ou Blazeman. C'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Allez, Blazeman. De toute façon, j'ai encore renfort de l'armée. Donc... Rip. Ouais. Je vais faire un petit chargement de masque. Donc récupérer Brume de l'Ombre et mon changement de masque, évidemment. Comment je pourrais faire ça maintenant? Bon, j'ai quand même pas mal de trucs que je peux faire. Allez, il ne gagne que 100 d'attaque pour chaque monstre héros élément... enfin, pour chaque monstre héros dans le cimetière. Note que je peux faire Blazeman. Je vais chercher la polymérisation. Non, un peu pourri. Sinon, j'invoque nouveau Neos. Je n'active rien pour le moment. J'entre en battle. Je vais juste attaquer. Ok. Maintenant, je fais changement de masque. Et je mets Koga. Ça peut être assez chiant pour l'adversaire aussi, vu qu'il gagne 500 par attaque. Non. Enfin, par monstre contrôlé par l'adversaire. Donc ça peut monter très très vite. Voilà. Du coup, là, end phase. Superbe. Mon disque externe qui décide de se déconnecter. Donc pas d'effet. Ah, c'est bien de se retrouver avec un monstre à 3000.
Oh, ça c'est beau. Donc, je vais récupérer. Je vais plutôt récupérer l'Oie des Ténèbres pour le remettre dans mon truc parce que bon, nouveau Neos, il me servira plus vraiment. Voilà. Je vais invoquer normalement Herman. Je vais détruire son truc qui est là, sa carte. Ah, superbe. Prenez un Kuribo ou un Kuribo ailé depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Ben non, je peux rien chaîner à ça. Ah, il va invoquer spécialement. Ah, ça c'est chiant. Je vais attaquer ici. Bon, hop, je peux attaquer l'autre. Ça, c'est un peu plus chiant, par contre. Je vais passer en end phase. J'ai pas fait encore changement de masse parce que j'aime bien justement d'avoir pour faire beaucoup de dégâts. Ce qui n'aurait pas vraiment été possible ce tour-ci. Oh. Ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer Blazeman. Je vais chercher la petite polymérisation. Hein. Classique, classique. Avec renfort de l'armée, je vais chercher Bubbleman. Et je vais faire une petite fusion. Donc, de monstres héros. Pff, non. Ça non plus. Je vais faire zéro absolu. Entre ces deux-là, évidemment. Hein. Voilà. Cette fois, je ne fais pas de truc vraiment dessus. Ça sert à rien, on dirait. J'ai rien que je peux activer tout de suite. Non. Donc j'entre en battle. Ça, c'est chiant à chaque fois en mode tu vas activer un effet, tu vas activer un effet. Alors que, bah non. Allez, là, je vais le faire. Comme ça, j'ai déjà vent divin. Qui va pouvoir achever l'adversaire. Voilà. Next. Oh, ben on arrive tout doucement au quart de la campagne, quoi. Non, je joue un deuxième. En soi, c'est pas non plus mauvais, surtout si j'ai des trucs qui me permettent de bien jouer, mais là. Pas grand chose. Faut voir ce que j'ai pioché. Encore? Mais merde! Je crois
crois que mon disque dur externe, là, il va nous faire chier. Décidément, il se passe pas un truc. Ben, un let's play sans que j'ai un truc qui vienne faire un peu chier. Ça m'énerve d'ailleurs. Ouais, pour le coup, on va poser ça. Hein. Et on va poser ça. On verra après. Une phase. C'est vrai que j'aurais pu poser Brume de l'ombre. Et tour suivant, faire Monster Rebound dessus. Je sais pas si c'était la bonne idée, mais bon. Allez, donne-moi un truc. Je vais faire ça, je vais poser. Une phase. Donc il sera envoyé au cimetière, je pourrais aller tutoriser un autre monstre. Je pense prendre... C'est comment? Blazeman. Comme ça, bah, je pourrais l'invoquer aussi pour pouvoir faire, pour pouvoir aller chercher la poly. Enfin, je vais pas le faire tout de suite vu qu'il a une carte face cachée. Ah, ça c'est bien. Brume de l'ombre. Évidemment que je fais son effet. En vrai, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose que je peux faire. C'est mettre en qui. Puis je fais changement de forme. Je mets Diane. Allez. Il y a moyen de faire des trucs sympas. On le fait. Je vais invoquer donc Herman pour détruire ça. De toute façon, j'ai envie de dire, j'ai quand même changement de masque 2. Ici, je vais déjà pouvoir mettre en qui du coup. Puisque je dois commencer avec Anki. Je dois absolument pas attaquer avec Herman en fait. Donc j'entre en battle. Avec Anki. Bon. Je vais attaquer lui, peu importe qui j'attaque. Donc effet, je vais pouvoir aller chercher une carte avec change dans le nom. Je prendrai peut-être bien un changement de masque. Je sais pas. Quoique, ou un changement de forme. Là, je dois pas encore attaquer avec Herman. Je fais changement de forme sur Anki. Je mets Diane. C'est vrai qu'au final, le changement de masque, ça aurait été mieux. Enfin bon, c'est pas grave. J'attaque avec Diane, comme ça, je pourrais invoquer spécialement un autre monstre. Je vais invoquer lui, vu qu'il a mis 9 en attaque. C'est vrai que c'était pour lui que je devais prendre le changement. J'avais totalement zappé. Enfin, c'est pas grave, hein. Donc il reste combien? 1007, allez. Bref, on va refaire un changement de forme. Et on va remettre en qui. Pour finir, avec en qui.
Voilà. Une fois que ça démarre comme ça, c'est plus... What? J'ai appuyé sur Y au lieu de B. Tout va bien. Ah oui. Donc, on continue toujours avec le héros masqué. Donc, ce que je disais, c'est que c'est le truc avec le héros masqué. Ça, une fois qu'on commence avec tous les trucs changements, bah, on peut faire un OTK, quoi. Bon, ici, j'ai plein de changements et tout, mais il me manque une seule chose, un monstre. Pas de cupidité. Ça, j'en ai mis un seul. Pareil pour le plumeau de Damarpie. On va quand même faire ça, parce que bon, on ne sait jamais. Allez, donne-moi un monstre, n'importe qui, je peux partir avec ça. Non, tu veux pas? Ok, allez, on pose. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant que je l'empêche de faire quelque chose, ça me va. Ça ne fait que d'ajouter. Donc ouais. Trappe sans fond. Aïe. J'espère qu'elle n'a pas la polymérisation. C'est bon. Merci. Donc, invoquer. Je vais tenter d'attaquer avec ça, hein. Comme ça, un peu plus de dégâts, ça serait pas mal. Changement de masque. Donc, je mets acide. Je fais évidemment pas de chaîne tout de suite. Pense que je peux finir. J'ai tout intérêt de toute façon, vu que j'ai pas grand-chose. De toute façon, au pire des cas, faut que je termine avec Anki. Comme ça, s'il y a une merde, ben voilà. Normalement, il n'y aura pas de merde, donc c'est bon. J'étais pas sereine sur celui-là. Surtout à cause de son monstre à 4000. Allez, next. Héros masqué, toujours, évidemment. Ça, je vais pas changer. Ok, il me fait commencer en deuxième, c'est pas mal. Héros contre héros, ça va être beau. Oh! Je crois que je vais mettre Bubble Man si je sais l'avoir. On va déjà faire ça. Je vais pas prendre de risque en fait. Donc je vais faire Hero Vivant quand même. Aller chercher Brume de l'Ombre pour avoir une deuxième un deuxième changement. Pas de chaîne évidemment. Je vais faire Bubble Man que j'invoque.
vu que j'ai pas encore fait de normal. Je vais activer changement de masque sur Bubble Man. Pour mettre acide. Qui va détruire les deux magie piège. Là là. Il gagne 1000 attaques, les monstres détruits au combat avec lui sont renvoyés à la main au lieu d'être envoyés au cimetière. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Ok, je fais pas de chaîne. Envoyez un nombre de votre choix d'autres cartes magie piège que vous contrôlez au cimetière et gagnez 1000 points de vie pour chaque carte envoyée au cimetière de cette façon. Putain, mais il est chiant lui! Ça peut marcher, c'est une carte, tant mieux. Donc là, en fait, je vais juste attaquer. Je vais commencer. Je peux quand même lire la carte. Ah ouais, non, mais c'est une continue, donc ça va. Donc il aurait fallu que ça reste là. Je vais quand même activer le changement de masque sur Brume de l'ombre pour mettre l'eau des ténèbres directement. Comme ça, j'aurai pour faire plus de dégâts. Et en espérant évidemment que je ne me fasse pas wreck mon terrain. Bon, il y a peu de chance, mais on ne sait jamais. End phase. Donc lui maintenant, bah, tous ces monstres seront, enfin, toutes ces cartes seront bannies du coup. Allez, aïe. Il va encore me sortir une carte des enfers. Non, c'est bon. J'ai juste à attaquer. End phase. Reste à espérer que ce soit pas quelque chose de chiant. Bon. J'ai du bol. J'ai récupéré Bubble Man. Et un changement de masque. Et on va virer ces deux cartes face cachée. Sur Bubble Man, évidemment. Pour mettre le deuxième acide. Voilà. Carte chiante, bannie, c'est bon. J'attaque. Et je termine. Oh bah c'est pas, c'est pas mal. On en est où? On approche à moitié. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 duels. Donc ça va, on avance plutôt bien. Je vais pas continuer pour cette fois-ci. Donc la prochaine fois, on continuera bah, la partie GX. Et donc on avance plutôt bien. On est déjà à 69,8% de complété. Donc ouais, on a passé les deux tiers du truc. Donc, enfin les deux tiers. Ouais. Vu qu'on approche ici de la moitié. Donc voilà, la moitié, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près ici. Donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!